Et de deux, le Forum Afrique Développement s'est ouvert pour sa seconde édition à Casablanca. Organisé par la banque marocaine Atidjari Wafa, il rassemble opérateurs économiques et décideurs politiques du continent africain pendant deux jours pour identifier les leviers d'accélération dans la coopération sud-sud. Si les pays africains se donnent la main pour mutualiser leurs moyens, donc tous les moyens, notamment dans la formation, parce que nous savons que le continent regorge de jeunes, la formation des jeunes, qui va constituer un capital humain important. Sur le plan de la réglementation, sur le plan des politiques tarifaires douanières, mais surtout sur le plan de la logistique et du transport. Tant qu'on n'a pas facilité, tant qu'on n'a pas levé ces obstacles, il ne faut pas espérer réellement une consolidation de l'intégration régionale. Trois panels se pencheront donc sur ces problématiques essentielles à l'intégration régionale, mais c'est aussi l'importance des rencontres B2B qui intéressent les nombreuses entreprises. Nous venons, n'est-ce pas, inaugurer de nouveaux modes opératoires et de nouvelles opportunités pour l'entreprise marocaine et pour renforcer ce partenariat gagnant-gagnant. Pour améliorer ces échanges, un livre blanc sera élaboré et transmis aux décideurs politiques, tout comme ce fut le cas lors de la première édition.